Gloire à toi, Esprit de Dieu. Honneur, puissance, majesté est à toi. Toute gloire est à toi, Papa. Alléluia. Merci, merci, merci. Alléluia. Salue le peuple de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, peuple de Dieu, nous pouvons être nourris de la bonne parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons sortir. Pour déconnecter avec ce live, pas pareil, pas pareil, puisque la parole de Dieu est transformée, il change la vie. Alléluia. Ce soir, je nous dis à le Seigneur merci. Merci pour cette parole. Merci pour l'évangile, la bonne parole, la bonne nouvelle, alléluia, de Christ. Seigneur, merci, papa. Tu es un bon papa, alléluia. Tu fais nous dire bien. Tu as de bonnes choses pour nous, alléluia. Tu portes nous dans tous les cœurs. Tu comptes en nous. À cause ça même, tu donnes nous la bonne parole. Merci qui ce soir, alléluia. Et le man qui kenne, je te la vie paix sans eux. Oui, Seigneur mon Dieu, je te direction paix sans eux. Je peux venir plus près de toi, alléluia. Oh, merci. Merci que chaque mot qui peut sortir de la bouche de ton serviteur peut instruire, peut corriger, peut enseigner, peut édifier, peut encourager pour la gloire de ton nom, alléluia. Et ton esprit, alléluia, ton Saint-Esprit peut convaincre de qui ce soir, alléluia. Mouvoir comme atelier, Saint-Esprit, alléluia. Agir comme atelier, alléluia. Oh, merci Jésus. Tu n'es plus dans ton beau, tu n'es plus dans la croix. Tu es vivant, tu es à la droite du Père, alléluia. Honneur, puissance, gloire est à toi, alléluia. Louange est à toi, Jésus. Ce chant. Si nous pensons à chaque mot qu'il nous peut dire dans ce chant, alléluia, il peut glorifier Jésus. Il peut dire une parole qui est vraie. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Alléluia. Honneur, louange.
Seigneur, tu es Seigneur. Oh, Dieu, toutes choses, tu es Seigneur. Oh, Jésus, oui, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Vêtu de gloire, oui, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Vêtu de majesté, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Merci notre Dieu. Nous glorifions toi, Papa, au nom de Jésus. Merci pour ta présence, notre Dieu. Merci pour ton Saint-Esprit en nous, pour ton inspiration, Seigneur. De celui qui fait nous du bien, de cause avec nous, Seigneur. Ta parole est la lumière pour nous, Seigneur, l'éclaire-nous. D'un Dieu qui est nous dit bien, Seigneur, tous les qui nous avancent dans la vie, tous les qui en tout temps nous fait ta volonté, tous les, Seigneur, qui nous accomplissent parfaitement ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous priez toi, Seigneur, à ce qui te Saint-Esprit. Fais-nous comprendre le message qui nous peut entendre. Nous dispose-nous l'entendement, Seigneur. Nous dispose-nous l'équerre. Nous soumettons-nous à ta volonté. Nous humiliez-nous, Seigneur, devant tes paroles. Nous laissons que tes paroles fassent l'effet dans nous la vie. Oui, Seigneur, nous pas les morts de ténèbres. Nous les demeurons dans la lumière et dans la justice de Dieu. Merci, Papa Céleste, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Nous recevons d'autres ce soir encore une fois pour
nous rayons qui nous obtiennent à tous les maudits. Tout d'abord, les Jésus, qui se passe un très beau moment ce soir ensemble avec nous. Les Jésus, qui la parole de Dieu vous fait du bien. Et qui cette parole vous fait sur l'effet dans nous la vie. Nous vous demandons ce soir tout de suite, sans plus tarder, nous vous lire dans Jean chapitre 19. Le verset 30. Vous capable finguette nous poste et vous finissez connaître le qui nous peut causer. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, Jésus dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit, veillez les mots. Il y a un très bien pharisien qui s'est dit à lui-même, il confessait, il dit, tout est accompli. Seulement, quelques lignes avant ça, il dit, Jésus dit sa parole là, juste après qu'il fit prendre le vinaigre. Et si nous arrivons hier au verset 28, nous vous trouvez que Jésus, tu connais qui se lève et arrive, qu'il a besoin de quitter la terre, de dire, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Tu n'as une dernière chose qui est ce que tu viens faire, tu n'as une dernière parole que tu viens prononcer avant qu'il dise, tout est accompli, avant qu'il meure. Et tu viens dire que j'ai soif. Et il dit très clairement, j'ai besoin de dire ça parce qu'il m'a besoin d'accomplir l'écriture in toto, dans sa totalité. Et ça, mot que c'est ce qu'il dit, j'ai soif, il trouve simplement dans le psaume 15, ou plus ou moins, il trouve dans le psaume 22, versets 15 et 16. Le psaume 22, versets 15 et 16. C'est un mot qui, beaucoup de gens, c'est « tout est accompli ». C'est une parole qui, beaucoup de personnes sont au courant. Dans le monde chrétien, « tout est accompli », il y a une grande valeur. Il y a une grande importance, même une signification extrême. Il y a une trouble du monde guéri, délivré, transformé. Je finis tout le monde de recevoir un miracle. Parce que je finis arriver à comprendre qu'il veut dire que tout était accompli. Quand quelqu'un arrive à comprendre que tout est fini accompli pour lui, il est capable de recevoir ce qu'il peut attendre que mon Dieu fait dans la vie. Tout est accompli. Et laisse-nous ensemble ce soir. Nous ne pas trop vite et nous ne pas trop lent aussi. Nous voulons qu'il soit arrivé, comprend qu'il nous peut dire, tout est accompli. Nous savons ça souvent des fois dans nos prières. Seigneur, nous remercions toi de finir tout accompli pour nous. Mais qui finit accompli exactement? Quand Jésus-Christ peut dire tout est accompli, qu'il peut dire. Qui fait, hein? Verset 28, il dit, hein? Une dernière parole pour qu'il vienne totalement accompli ce qu'il a besoin accompli. Il dit, j'ai soif. Parce que dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, il y a écrit, hein? Dans le psaume 22, versets 15 et 16, que Jésus-Christ sur le bois de la croix, à un moment donné, la soif pour prendre contrôle de son être. Et il vous demande quelque chose à boire. Mais nous tous connaissons, pharisiens, qui nous finissent, maintenant, donner vinaigre.
Vinaigre, c'est un petit vin qui est aigre. Vin aigre. Vinaigre veut dire vin aigre. Tu connais que vinaigre, ce n'est pas quelque chose qui est facilement à boire. Dans le thème, il dit nous, un divin qui est amer, il est trop fermenté, il finit une acte, il finit une amer. Nous ne voyons pas trop en détail là, parce que ce n'est pas ça le thème de ce message, le but de ce message. C'est tout est accompli. Le mot accompli, accompli tout simplement, il se dit dans les mots grecs, qui veut dire teleo, teleo, T-E-L-E-O, qui veut dire achevé, terminé, réalisé et complété. Tout finit être complété, tout finit être réalisé. Tout finit terminé et tout finit achevé. Qui tout en fait? Ce soir, moi, cause avec vous, pharisiens, qui, si nous retournons dans l'Ancien Testament, dans la loi et les prophètes, nous pouvons arriver, trouver et réaliser que l'Ancien Testament cause beaucoup sur la vie de Jésus-Christ. Il donne beaucoup de détails sur la vie de Jésus-Christ. Et on peut pas même dire aux pharisiens que Jésus-Christ n'a pas existé depuis 2000 ans de cela, quand il vient de la terre. Jésus finit tout le temps exister. Jésus lit dans l'Ancien Testament tout comme dans le Nouveau Testament. C'est ça qui un juif peut y arriver à comprendre. Quand ce qui des autres, avant qu'Abraham existait, moi existais. Ils ne sont pas y arriver à comprendre ça. Et moi, on parle plus loin, avant l'époque qu'ils n'ont qu'existé, des écrits qui existaient. Jésus plutôt, hein. Christ est le Messie. Jésus. Il finit tout le temps exister, Jésus. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous pouvons arriver à trouver que l'Ancien Testament fait beaucoup de mentions de Jésus-Christ. Beaucoup de mentions de Jésus-Christ. Même une albane d'école des pensées qui dit que Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, il est représenté par une certaine figure de l'Ancien Testament. On ne va pas trop en détail là, il vous prend beaucoup de temps. Jésus-Christ finit tout le temps exister. Mais l'Ancien Testament, il cause beaucoup le Nouveau Testament. Quelqu'un te dit une fois, pharisien, si on veut comprendre le Nouveau Testament, vous allez lire l'Ancien Testament. Et si on veut comprendre l'Ancien Testament, vous allez lire le Nouveau Testament. Parce que je connais beaucoup de gens, ils n'ont pas trop l'intérêt pour lire l'Ancien Testament. Parce que le diable nous donne le Nouveau Testament maintenant, dans la Nouvelle Alliance. Nous n'avons pas besoin d'être trop concernés avec l'Ancienne Alliance. Tu n'as pas une masse de raison, ça aussi. Mais ce monde a fait que moi, Boudiaou, qui fait pas lire l'Ancien Testament, c'est parce qu'il ne pas trop comprendre lui. Parce qu'il demande sens figuré. Il symbolique. Il demande image. Et parfois, on va arriver à comprendre. Là, on a tendance pour plutôt mettre des côtés, nous concentrer la Nouvelle Alliance, parce que nous trouvons dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, nous concentrer là. Mais l'Ancien Testament, c'est une continuité du Nouveau. Le Nouveau Testament, plutôt, c'est une continuité de l'Ancien Testament. Il faut lire l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas connaître le Nouveau Testament. Surtout quand le service à terme, tout est accompli.
qui était accompli de croix. Si vous parlez de l'Ancien Testament, pas vous connaissez tout qui vient accompli en fait. C'est parce que c'est l'Ancien Testament qui dit que Jésus pouvait. À ce moment-là, tout est accompli, tout est accompli, quoi. Vous arrivez à remarquer qui, en parlant de tout ce qu'ils écrivent, finit accompli. Quand il y a le Nouveau Testament, même Jésus-Christ dans son ministère de la terre, il fait référence à l'Ancien Testament pour dire qu'il y a un prophète qui dit concernant lui, comment il est allé pour ce verset-là, comment il peut être mis à mort, pour ressusciter, etc. Concernant tout sur la vie qui est écrit dans l'Ancien Testament. Bien avant. Bien, bien avant. Tout récemment, moi, je peux causer avec eux comment, et quand nous lisons l'Apocalypse, nous gagnons l'idée claire ce qui peut arriver plus tard. Parce que quand nous lisons l'Apocalypse, c'était là. Quand nous lisons l'Apocalypse, c'est, nous trouvons beaucoup de choses qui peuvent encore arriver là-dedans. Et il y a même des choses qui montrent nous l'état de l'Église actuelle, mais ça n'empêche qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent montrer nous concernant ce qui peut arriver après. Qui veut dire l'Apocalypse est un livre prophétique. Il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas trop contents. Même si ils ne sont pas trop contents liés à l'Ancien Testament, on nous trouvait qu'il y a beaucoup de gens pas contents liés à l'Apocalypse. De dire l'Ancien Testament, c'est ça du passé, c'est l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, nous pas pour repasser là. Mais quand on dit à l'Apocalypse, c'est ça même qui est ce qui peut venir plus tard, nous, comme on lit ça, nous pas trop comprendre. En fait, quand on était ni l'Ancien, je ne pas lire, ni l'Apocalypse aussi, je ne pas lire. Mais ça aussi, pas trop bon. Ce qui veut dire que nous disons, quand tout passe de nous, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, toute. Qu'il est l'Ancien, qu'il est le Nouveau Testament, qu'il est l'Apocalypse, Dieu fait me permettre qu'il y ait un livre pour qu'il nous capable de gagner une idée générale. Le surplan total est parfait. Merci Seigneur. Nous disons tout récemment que quand nous lisons l'Apocalypse, nous gagnons l'idée qui passait. Vous connaissez une parole, c'est une pensée, ça. Quand on lit l'Apocalypse, c'est une pensée de Dieu. Mais quand nous causons pensée, il vient dans nos pensées. Tout ce qui vient dans nos pensées, il vient dans l'imagination. Nous disons où ça? Nous ne savons pas trop comment les choses vont passer d'après l'Apocalypse. Il suffit qu'ils pensent. Là, il vient une imagination. Dieu te permet qu'ils ont l'arrivée, pénétrer dans le monde futur, et l'arrivée trouver comment ça peut faire. Il y a, la Bible nous dit ravi en esprit quand on lit l'Apocalypse, chapitre 1er. Ravi en esprit, d'y voyager. Et les trucs qui sont qui peuvent encore arriver, qui peuvent arriver. Ce n'est pas qu'il n'y a une place qui sont dans une finie arrivée, il peut encore arriver seulement qu'il soit là. Dieu permet lui pour son esprit, ravi en esprit de pour son esprit, visite qui sont qui peut arriver dans le futur. Une façon de parler comme si les films finis connaissent comment ça peut passer, comment ça peut arriver. Il se maintenant vient devant lui, parce que parole, l'écriture c'est une parole. C'est une pensée, elle vient une imagination. D'accord? Maintenant, l'Ancien Testament, c'est une parole qui vient d'écrire, mais c'est une pensée de Dieu. Et quand nous causons pensée, c'est une chose qui est arrivée. Et Dieu est capable de permettre nous de retourner en arrière pour trouver les choses, comment elles viennent arriver. Dans ce lieu-là, c'est un moment qui s'est passé. Bon, c'est tout ce qui est passé dans la Bible. Il ne peut pas effacer ça, il ne peut pas être délit, il ne peut pas effacer. Il est conservé. Il est servi comme un exemple pour nous. Il peut être en tout temps utilisé par bon Dieu. Que ce soit quelque temps de cela, ou soit maintenant, ou bien dans le futur. Dieu pour tout temps fait nous revivre. Il retourne ben, l'expérience que ben, quelqu'un finit faire dans l'Ancien Testament, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit quand les Écritures sur la terre. Et maintenant, nous qui pouvons vivre, nous sommes capables de vivre. Nous sommes capables d'expérimenter. Nous sommes capables de vivre une réalité dans nos vies. Alors, je parle de Dieu pour faire comprendre que, quand il peut dire tout est accompli, il peut faire référence à ce qui est dit aux Écrits dans l'Ancien Testament, comment ça peut être fait, et tout finit accompli,
Quand est-ce qu'il finit boire ça, vinaigre là, il finit faire tout ce qui finit écrit dans l'Ancien Testament. Vous pouvez y aller un petit moment avec vous. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, le Jésus-Christ. N'importe si nous ne sommes pas capables de mettre lui, parce qu'il vous prend beaucoup de temps. Mais maximum, je vais causer avec vous maintenant. Tout est accompli, c'est tout ce qui finit écrit dans le Jésus-Christ finit accomplir. Tout ce qui est bon, c'est appelement pour faire. Ce qui est bizarre, arrive moi, comme on vient de la terre, tout cela finit accompli. Bien sûr, ce qui bon Dieu finit accomplir à travers Jésus-Christ, ce qui est ce qui finit subir pour accomplir la volonté de Dieu, bien sûr, quand nous croyons là-dedans, quand nous recevons les, nous ajoutons la foi là-dedans, bien sûr, nous ne pouvons pas trouver un résultat positif dans nos vies. Nous ne pouvons pas trouver une grâce, une faveur de Dieu manifestée qui fait, parce qu'il ne peut croire dans ce qui bon Dieu est là pour nous, à travers Jésus-Christ. D'accord? Et je vais vous donner quelques exemples. Là, directement, nous ne pouvons pas verser, vous pouvez dire cette ligne, un de l'autre, et puis où notre lit, si on aime plus de la main, notre lit, si on ne peut pas notre lit aussi, le temps où on ne peut pas réviser ce message-là, on va le fouiller, vous trouver. Nous tous connaissons qu'ils étaient nés d'une vieille. Vous connaissez ça? À travers Marie. Matthieu chapitre 1er, verset 23. Mais est-ce que vous connaissez 700 ans avant Jésus-Christ venu? 700 ans avant Jésus-Christ venu. 700 ans avant Jésus-Christ venu. Esaïe, tu finis de dire ça? Par le Saint-Esprit. Esaïe 7, verset 14. Pour montrer aux pharisiens qui, concernant Jésus, même vous ne la terre, c'est fini écrit dans l'Ancien Testament. Si nous avons envie qu'on prenne le Nouveau Testament, nous vous retournons dans l'Ancien Testament. C'est ça. Nous tous connaissons que quand Jésus-Christ est né, pharisiens, nous tous connaissons que Jésus-Christ est né à Bethléem. Matthieu chapitre 2, verset 26. Et ça c'est écrit par Michée, le prophète. Michée, chapitre 5, verset 2, il dit que le Messie pour naître à Bethléem. Nous tous connaissons les pharisiens qui, quand Jésus-Christ, ben mal, si vous venez venir pour venir adorer, pour venir louer lui. Le roi Hérode, c'est un père qui, puis tant donné qu'il se peut appeler Jésus-Christ le roi, qui faisait naître, il se peut gagner un père, tant celui peut dire sa position, sa place. Et il a voulu tuer tous les enfants qui sont en bas des ans. Matthieu chapitre 2, verset 16 à 17. Ça, tu finis écrit par Jérémie, 31, verset 15, 580 ans avant Jésus-Christ venu. Qui veut dire, pharisien, comment vous explique-moi? En fait, c'est la prophétie. Dans l'Ancien Testament, 580 ans avant, Jérémie finit ça. La base, Esaïe, 700 ans avant Jésus-Christ venu, il peut dire qu'il s'écrit pour naître d'une vierge. Nous continuons. De tout connaître qu'ils ont bâti Tibien venu avant Jésus-Christ pour préparer le chemin du Seigneur. Marc, chapitre 1, verset 2 et 3. Dans Esaïe, chapitre 40, verset 3, tu finis ça. Y compris Malachie, chapitre 3, verset 1er. Jean-Baptiste. Le ministère de Jésus. Par exemple, dans Luc, ça m'a besoin d'y aller avec vous. Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, le verset 18. C'est ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est ce qu'il dit à ça, frères et sœurs. L'État du Père commence son ministère. Mais est-ce que vous connaissez, frères et sœurs, d'après Esaïe 61, verset 1 à 4, il finit de nous s'arrêter sa main versée là, frères et sœurs. Dans Esaïe, 700 ans avant Jésus-Christ né. Qui veut dire quand Jésus-Christ peut prononcer sa main parole là, il veut prononcer le lit prophétiquement parce qu'il déjà dit ça. Matthieu chapitre 8, verset 6. Ça m'a causé le ministère de Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui n'ont pas causé, mais qui ont causé, disent dès là.
Il y en a beaucoup, c'est beaucoup de tout là, frère et sœur, nous vous finis très tard. Matthieu chapitre 8, le verset 16. Or, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Terminement démoniaque devant Jésus-Christ. Jésus s'assemble en esprit pour sa parole. Et il guérit tout ban malade. Afin que s'accomplit. Qui fait Jésus s'assemble ban démon et guérit ban malade. Afin que s'accomplit. Ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Tu veux, pharisien? Ésaïe, tu finis de ça dans pharisien, Hallelujah. Ésaïe 53. Dans Ésaïe 53, où il y a l'iné, tout un récit, moi, tu ça aussi, trop long, ça, pharisien, où il y a la case, de nous, ministère de Jésus, sur la terre, sur la mort, sur la souffrance. Comment les pendus dire man moquerie, etc., etc. Ésaïe 53, tu finis cause, ça, pharisien. Qui veut dire, peuple de Dieu, quand Jésus, tu peux venir dans la terre, quand Jésus, tu peux venir dans la terre, Jésus, tu connais qui peut t'amener, qui peut venir faire dans la terre. Parce que tu finis écrire dans l'Ancien Testament comment sur la vie pour être, comment sur le ministère qui peut en lire pour être, comment sur l'amour pour être, tu finis écrire tout cela. Ce n'est pas quand il vient de la terre qu'il connaît pour le mot, l'eau la croix. Il te connaît pour le mot dans sa façon-là. Il te connaît. Nous continuons, pharisiens. Jésus-Christ fait une entrée triomphale à Jérusalem. Matthieu 21, verset 1 à 5. Dans Zacharie, chapitre 9, verset 9, dis-nous ça. Zacharie, l'Ancien Testament. Tu finis d'écrire. Jésus sur la mort, sur la souffrance, etc., etc. Où il y a dans Ésaïe 53, vous trouvez ça. Vous connaissez dans Matthieu, chapitre 27, verset 32 à 55, cause de l'eau-là. Jésus-Christ sur la crucifixion, sur la mort. Comment il souffert. Ésaïe 53, où il y a dit, pharisiens, vous gagnez tous les récits devant vous. Comment ça finit de passer? Comment ça finit d'arriver? Etc., etc., etc. Nous, quand il y a l'île, elle est trop longue, sa passage là. Il y a l'île, la case. Merci, Seigneur. Nous, tout connaît, faire ça quand j'esquisse, c'est le mot. Maintenant, tu fais tirage au sort de ce bon vêtement. Mais nous, faire ça, si tu fais tirage au sort pour ce bon vêtement, qui veut dire ce vêtement, tu n'as valeur. Il n'y a pas de simple vêtement, ça. Mais nous, faire ça. Ça, madame Père Descendant, tu es arrivé à réaliser que moi, j'ai tous esquisses sur les corps, tous sur les vêtements, même pour guérir. C'est sur la foi qui me permet de croire qu'ils esquissent l'onction partie en lit, l'onction autour des lits aussi. S'il y a autour des lits, l'onction sur les vêtements, tout. Alors, ça, c'est un soldat qui me fait tirer au sol là. Mon corps, je suis conscient qu'il a valé à ce vêtement-là. Je fais tirer au sol. Jean, chapitre 19, versets 23 et 24. Dans le psaume 22, verset 19, tu finis de ça. Le psaume 22, verset 19, tu finis de ça. Frères et sœurs, mon corps peut comprendre, il me peut dire, jusqu'à l'heure. Mon corps peut comprendre, il me peut dire, jusqu'à l'heure. La Bible dit à nous, frères et sœurs, tu mets des brigands ensemble avec Jésus, un à droite, un à gauche. Marc, chapitre 15, verset 28. Et si vous connaissez, frères et sœurs, qui dans Ésaïe 53, verset 12, tu finis de dire qu'ils excusent pour moi ensemble avec un brigand, un malfaiteur. Tu finis de dire. Quand j'écris, il y a tout est accompli. Il veut dire que toutes ces mêmes paroles qui finissent dans l'Ancien Testament, l'eau lila, il besoin accomplir ça à la lettre. Ça ne besoin pas comme un prophète finit de dire dans l'Ancien Testament. Il ne faudrait pas qu'Esaïe finisse de prophétiser, finisse de dire j'écris pour faire telle action, et j'écris pour faire tous les contraires. Tout à l'heure, moi, pourquoi avec vous, là, si Jésus finit tout est accompli et qu'il finit accompli, il dit comment bien accomplir, d'après ma prophétie qui finit faire sur la vie, comment nous aussi, pareil, nous faisons accomplir la volonté de Dieu, d'après ma message qui m'ont dit, finit cause avec nous, d'après ma message prophétique qui nous finit le nous la vie. Il ne faut pas bon Dieu nous faire A et nous ne peut faire B, il est totalement le contraire de ce qui m'ont dit, finit appel nous pour faire.
l'importance à faire ici. Est-ce que la Bible, vous connaissez la Bible qui dit à nous, frères et sœurs, qui tu perces sur les pieds, tu perces sur la main, tu perces sur le côté? Jean chapitre 20, verset 27. Somme 22, verset 17, cause de la frères et sœurs. Je fais une perce sur la main, je fais une perce sur les pieds. C'est un frère et sœurs. Tout ça là, tu dis. Tu veux dire, c'est ce qu'on peut venir, mais tu finis qu'on est quand t'es l'amour, les en durée. Parce que c'est l'amour, c'est ce qui est symbolique, c'est un frère et sœurs. C'est symbolique. Jésus qui tu finis connaît d'avance qu'il est bien passé par cette situation-là. Quand Jésus qui tient dans l'exémané, pharisien, pour le prier avant qu'il puisse être mis à mort. Quand il dit Père, quelque part éloigne de moi cette coupe. Il peut simplement, dans sa partie humaine qui tient au lit là, parce qu'il tient en même temps le Fils de Dieu, il tient en même temps le Fils de l'homme. Sa partie humaine là qui tu peux causer. Mais ce parti de Dieu, tu dis, toutefois, que ta volonté l'y faire. Parce qu'il connaît qui c'est là. C'est la volonté de Dieu qui lui dit un mot dans sa façon-là. À cause même que quand Pierre, tu viens avec Jésus-Christ, tu dis avec Jésus-Christ, tu connais, sans l'amour qui te dit, tu peux endurer là, il n'est pas possible. Tu n'as pas gagné droit passe pas sans qu'il l'amour de toi. Il n'est pas possible. Tu ne passes pas sans l'amour là. C'est ce qu'il dit très clairement. Oh, garde-moi Satan. Il n'est pas tu peux causer avec Pierre à ce moment-là. Tu peux causer avec Satan. Parce que tu donnes la voix de Satan qui peut causer, qui fait, parce que pour le faire, il passe à côté la parole de Dieu. Parce que Satan, son rôle, c'est faire nous passer à côté la parole de Dieu. C'est ce qu'il fait avec Adam et Ève. Fais-le passer totalement à côté la parole de Dieu. Qui dit, passe à côté la parole de Dieu, veut dire, nous passe à, totalement à côté la volonté de Dieu. Parce qu'il fait ce que la parole de Dieu vient nous faire, mais Dieu nous veut faire la volonté de Dieu. Passe à côté ce que la parole de Dieu vient nous faire, nous veut passer à côté la volonté de Dieu. Jésus-Christ, frère et sœur, connaissant ce qui est bon Dieu, finit bien au lit quand il peut venir au la terre, la mission même, comment il peut être. Il est conscient qu'il est bien fait, in toto, accompli à lui totalement, entièrement et complètement. Il est là qu'il est dit. Tout est accompli. Bien que ma bonté, tu voulais que son amour là passe, il fait mot pareil. Ma bonté, tu as envie qu'il fasse son ministère, tu fais pareil. Ma bonté, tu as envie d'exercer, tu exerces pareil. Ma bonté, tu as envie de causer, tu causes pareil. Non, rien n'est pas tu fais en dehors de la volonté de Dieu. Bon, nous continuons. C'est ce qu'il dit, j'ai soif. On est fini à tout à l'heure là. J'ai soif. Ça, c'était ces derniers qui t'ont bien dit avant les mots, ça. Dernier. Beaucoup qui se disent faire avant ça. Qui, selon, finit, mon prophète finit dire. Mais t'ont bien dit ça. J'ai soif. Avant les mots, moi, je dis. Hein? J'ai soif. Jean, chapitre 19, verset 28. Somme 22, verset 15 et 16. Donc on est pharisien que même la résurrection du Seigneur Jésus, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 25 à 32, Matthieu, chapitre 28, sur résurrection, qui apparaît dans le psaume 16, de verset 8 à 11, sur résurrection. Jésus-Christ descendant de la femme, humainement, de David, Galates chapitre 4, verset 4. Genèse chapitre 3, verset 15. Comme on l'étudie avec le serpent, la postérité de la femme pour écraser sur la tête. Et quelle époque? Et quelle époque, pharisien? Combien les temps avant? Combien les temps avant? En parlant de Jésus-Christ existait en tout temps, on a dit où qui Jésus-Christ existait bien, tout le temps existait, pas n'existait, il finit tout le temps existait. Parce qu'avant la chute d'Adam et Ève, c'est ce qu'on dit on a fait ce soir, avant la chute d'Adam et Ève, avant la chute d'Adam et Ève, il y a une autre chute qui est arrivée avant ça. La chute d'Adam et Ève, c'est la deuxième chute ça. Deuxième chute. Et une première chute qui vient arriver.
la chute de Lucifer. La chute de Lucifer finit arrive bien avant qu'Adam et Ève chutaient. Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Vous lisez la case où vous trouvez. Lucifer était chuté avant. Luc chapitre 10, le verset 18. Lucifer a chuté. Et là, ce chute attire une deuxième chute. La chute d'Adam et Ève. Tout ça existait, frères et sœurs, ce qu'on tout quitte chose. Christ, l'agneau pascal, qui nous trouvait dans l'Exode, chapitre 12, verset 1 au verset 14, quand le peuple d'Israël s'est bien sorti dans les pays promis, nous arrivons à trouver ça, pharisiens. Comment cet agneau que tu prends, se disant que tu mets le linteau de la porte, et qui symbolise l'agneau pascal, via l'agneau de délivrance. Jésus-Christ, pharisien, c'est nous l'agneau de délivrance. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. L'Exode, chapitre 12, verset 1er au verset 14. L'agneau qui ôte le péché du monde. Jean, chapitre 1er, verset 29 et 36. Jean-Baptiste qui disait ça, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ésaïe, 53, verset 7. Lévitique, chapitre 16. Peuple de Dieu, si nous arrivons à comprendre que tout est accompli, c'est que tout ce qui finit d'y aller au lit dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ finit accompli à lui dans le Nouveau Testament. Bien sûr, tout bon bénéfice, tout bon promesse, tout bon faveur, tout bon grâce qui découle de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, devine une réalité dans nous la vie. Mais quand Jésus-Christ dit tout est accompli, il dit tout est accompli en rapport à ce qu'il vient de faire sur la terre. Il veut dire que tu viens faire tout exactement, comment dire, dans l'exactitude, ce qui bon Dieu t'a appelé pour faire. Chaque pas que Jésus-Christ vient faire quand il est sur la terre pendant 3 ans de ministère, c'était ben pas inspiré par le Saint-Esprit. Et nous venons dans la Bible dans Luc chapitre 24. Dans Luc chapitre 24, pharisiens, il y a des disciples qui devaient prendre le chemin après la mort de Jésus-Christ, pour prendre le chemin d'Emmaüs, un endroit qui trouve quelques distances de Jérusalem. Découragé comme tout, Jésus-Christ fait mort. Mais en attendant, Jésus-Christ fait ressusciter de Patikone. Et je vais prendre le chemin d'Emmaüs, s'éloignant de Jérusalem. Jérusalem, pharisée, c'est une ville sainte qui représente la présence de Dieu. Et ce qui dit à mon apôtre, mon disciple, 120 disciples, reste à Jérusalem. Jusqu'à qu'ils pourraient recevoir la puissance d'en haut. Jérusalem, c'est significatif. Je vais quitter Jérusalem, je vais aller. C'est les découragements. Le résassement total. Croyant que Jésus-Christ finit mort, il finit bien mort, il finit mort, c'est la fin de toutes choses. Fini miracle, fini guérison. Fini grâce, bénédiction. Fini faveur de Dieu. Et donc, je vais aller, je vais causer en chemin. Jésus-Christ apparaît avec les autres. Et Jésus-Christ commence à poser une bonne question. Qui se peut causer comme ça? Qui n'arrivait? Je vais raconter comment Jésus-Christ, etc., fin mort, comment maintenant fin attrapé, etc. Je vais raconter. Avec un décalage bien gros et triste. Mais Jésus-Christ commence à expliquer la parole de Dieu. Là aussi, je vais réussir à découvrir que Jésus-Christ peut causer avec les autres. Nous lisons à partir du verset 27. Jésus-Christ explique aux autres l'évangile. La parole de Dieu, plus ou moins dans l'Ancien Testament, et commençant par Moïse et les prophètes. Tu vois là? Jésus lui-même t'y fait référence avec l'Ancien Testament, quand il causait. Pour convaincre sa disciple-là, sa des disciples-là,
qui parlent envers Emmaüs, qui nous décourageait, pour convaincre eux qu'ils ont besoin de marcher avec dans la vérité. Parce qu'il y en a qui se sont passés en attendant. Ils servent l'Ancien Testament. Qui peut servir dans l'Ancien Testament? Les causes, les dire. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Il peut raconter ben, ça des disciples-là comment l'Ancien Testament fait une cause au Jésus. Qui l'Ancien Testament fait une dialogue au Jésus. Ce qui se peut être là, qui écrit dans l'Ancien Testament, c'est tout ça qu'ils m'ont cité avec vous là, ça va enlever assez là. Tu peux citer ça avec eux, tu peux expliquer eux, fais eux comprendre que tout ça là fait une fin écrit hein, dans l'Ancien Testament. Et tu es bien arrivé. Là qu'il habite, je nous verset 31. Vous êtes les yeux liés ouverts. Vous êtes les yeux liés ouverts. Le verset 45. Alors Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, Jésus-Christ, qu'on avait dit des autres, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Psaume 16, verset 10. Psaume 16, verset 10. Jésus-Christ, cet épisode, faisait connaître qu'il finit écrit ça. Dans le psaume 16, verset 10, qui le Christ pour souffrir. Le Christ pour ressusciter des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Est-ce que vous pouvez comprendre, frères et sœurs, pour montrer au peuple de Dieu que l'Ancien Testament explique le Nouveau Testament. Tout est accompli, c'est qu'ils écrivent une accomplie in toto. Tout ce que la Bible finit dire dans l'Ancien Testament, dans la loi et les prophètes finit dire, dans Moïse et les prophètes finit dire concernant sur la vie. Comment sur la vie pour être, comment son ministère pour être, comment les pour mort et comment les pour ressusciter et comment la repentance pour continuer à prêcher après sa résurrection. Extraordinaire, pharisiens. Extraordinaire. Matthieu chapitre 5. Matthieu, le chapitre 5, le verset 17. Mais qu'est-ce qu'il dit? N'a pas croire qu'il m'a fait une vignée pour abolir la loi, c'est ce qu'il dit. La loi, c'est l'Ancien Testament. Hein? Pas croire qu'il m'a fait une vignée pour abolir la loi. À cause de ce qui dit, il y a un où nous ne sommes pas capables d'abolir l'Ancien Testament. Abolir veut dire faire disparaître, peine valeur, mais d'un coin, peine l'importance, les peines sur place. Non, 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 pharisiens. Il dit, je n'ai pas fini pour abolir la loi, moi. Ou les prophètes. L'Ancien Testament n'a pas sa valeur, pharisiens. Si on arrive à comprendre le Nouveau Testament, le Nouveau Testament n'a pas sa valeur. Si on arrivait à comprendre l'Ancien Testament, tous les démons sont ensemble. Puis, maintenant qu'on finit compte le Nouveau Testament, sous lien l'Ancien Testament, vous pouvez arriver plus à comprendre l'Ancien Testament. Et quand vous liez l'Ancien Testament, vous finissez comprendre l'Ancien Testament, vous pouvez plus comprendre le Nouveau Testament. C'est tellement important. D'accord? Par quoi que vous finissez venir pour abolir la loi, les prophètes? Je suis venu, mon fils venu, pour, non pas pour abolir, mais pour accomplir la loi et les prophètes. Mon fils venu pour accomplir. Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, quand je dis qu'il veut dire tout est accompli, qui peut accomplir? Quand je dis qu'il veut dire, dans Jean chapitre 19, verset 30, tout est accompli, qui tu peux dire en fait? Et tu peux accomplir ce verset-là. Les films finis n'ont pas pour abolir la loi, les prophètes, les films finis pour accomplir. Quand les pays tout est accompli, les films finis accomplir ce qu'ils ont accompli, ce que la loi, les prophètes, finis dire le lit, ils ont accompli. Mais cause qui se finit causer le lit qui vous a arrivé plus tard. Et ça m'a dit qu'il y en a bien beaucoup d'années avant ça, tu finis ça, frère. Une façon de parler comme si les États-Unis ont sa pensée là, sa message prophétique là, il
Il y a une parole qui se peut dire, il fait une pensée tout en même temps, et il fait une imagination. Alors, c'est même que tout à l'heure, on m'a trouvé un verset qui dit que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup moins de prophètes qui sont capables de trouver dans l'esprit la vie des esprits sur la terre. Dans l'esprit. Comme la Bible dit, nous, on fait saluer de loin ce qui peut arriver. On fait trouver de loin ce qui peut arriver. Pareillement, nous aussi, pharisiens, quand nous lisons l'Apocalypse, nous trouvons ce qui peut arriver devant. Ce n'est pas une histoire sans pharisiens, l'Apocalypse. Hein? Moi, c'est ce qui vient, tout est accompli, il finit accompli l'Ancien Testament. La loi, les prophètes. Right? Moi, je dis, ok, l'Apocalypse, il peut accomplir. Hein? Parce que quelqu'un qui veut vivre à l'époque des prophètes, il y en a beaucoup du monde qui ne croit. Parce que quand Esaïe peut prophétiser, peut dire, beaucoup de gens vont y croire. Et ils vont y croire, ils vont y fouiller. Ça me dit de nous, dans le Nouveau Testament, on a quelqu'un qui peut fouiller, qui a envie de connaître exactement que Jésus-Christ pounait, dans quel endroit il pounait. Fouiller dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, la loi des prophètes, pour connaître exactement dans quel moment il peut venir. D'accord? Merci Seigneur. Le film venu pour accomplir. Le tout est accompli, c'est quoi? Le film venu pour accomplir. C'est que la loi et les prophètes finissent dialoguer. Il finit faire lire exactement. Tout ce qu'ils écrivent faire dans la vie. Il y en a beaucoup d'exemples, je ne peux pas noter. Je ne peux pas noter feuille, je ne peux pas mettre dans sa feuille. Il y a trop beaucoup, ça va nous brûler ce qu'on a là même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même les causes ben, dissipent en parabole. Il n'est pas cause en parabole. Excusez-moi, ça. Il dit, on peut cause en parabole parce qu'il peut accomplir ce que les Écritures viennent dire. Il y a un livre de référence dans l'Ancien Testament quand il dit, quand les Écritures pour venir, il peut cause en parabole. Ça aussi, non. Il cause en parabole. Tout ça, là, il n'a pas. Tout ça, là, il n'a. Parfois, les Écritures font une action. Et il dit, on peut faire cette action-là parce que pour que l'écriture, ce qui finit de dire ça, le mot la vie, l'accomplir. Parce que mon père accomplit ce qui finit d'écrire. Tout est accompli, veut dire, accomplir ce qui, la loi et les prophètes finit de dire sur la vie. Et là, il y a le verset 18. Quand, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, tant que la terre et le ciel ne vont pas disparaître, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Jusqu'à ce que soit arrivé tout ce qui finit écrit, elle a fait accompli. Soit arrivé, bien soit accompli. Qui veut dire iota? Iota. Iota, c'est 9e lettre de l'alphabet grec, ça. Iota. Iota, c'est 9e lettre dans l'alphabet grec. Qui correspond avec français le I. H-I, I, plus petite lettre. Right? Qu'on appelle la moindre des choses. Plus petit. Hein? Moindre des choses. Il veut dire que même un mot, mais quelques mots, même une seule lettre dans les Écritures, il n'a pas valeur. À cause d'un pharisien qui, quand on lit la Bible, il ne faudrait pas nous faire distinction. Parce que la Bible, c'est un livre prophétique, ça. La Bible, c'est un livre qui est un message de Dieu. Et quand on croit là-dedans, il vient une réalité dans la vie. Le moment où on croit dans ce qui est bon de Dieu, il vient une réalité dans la vie. Tout ce qui finit écrit, si on croit là-dedans, il vient une réalité dans la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois dans ce qu'il est bon de dire, tu crois dans sa parole, tu crois dans sa promesse. Dieu dit, la chose arrive, les bizarres arrivent, peine à sortir de là. Jean le chapitre 4. Jean le chapitre 4. Merci Seigneur. Le verset 34. Qu'est-ce qu'il dit à nous, pharisiens?
Là, nous connaissons qui tient madame samaritaine, qui est venue vers Jésus-Christ, Jésus-Christ peut dire le monde qui est de l'homme au bord, etc. Tu connais la conversation, etc. Right? Là, et Jésus-Christ dit, tu connais l'air fin arrivé comme un vrai adorateur, pas de bon Dieu en esprit. Et en vérité, nous connaissons tout ça l'histoire là. Mais ce manne apôtre, il a cessé de nourrir Jésus-Christ. C'est un manne venu, il trouve Jésus-Christ pour cause avec une madame. Et Garvey, je n'ai pas cette nourriture de phénomène, de dire Jésus-Christ, mais manger. Mais Jésus-Christ, tu peux causer avec un madame, de dire Jésus-Christ, venez manger. Jésus-Christ dit, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Tout est accompli, qui veut dire. Il n'accomplit pas parfaitement ce qu'ils m'ont défini à faire. Ce sont mes œuvres. Sommes en action. C'est ce qui, quand il finit dans la terre, il ne peut pas me faire nier sans la volonté du Père. Il ne peut pas me faire nier par lui-même. Voilà, ça me peut le dire. Tout ce qu'il fait, il faut des portes directives. D'ailleurs, il est extrêmement content quand Pierre, il dit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant, il dit, tu es un heureux, Pierre. Jésus-Christ finit de dire que quelqu'un qui est heureux. Jésus-Christ est content à ce moment-là. Pour dire que quelqu'un est heureux, toi qui fais, parce que ce n'est pas la chair et les sangs qui viennent révéler toi, c'est mon papa qui est dans le ciel. Je veux dire, ce qui te veut dire au moment là, ce n'est pas moi qui viens de dire ça, c'est mon papa qui est dans le ciel qui dit ça. Pour montrer Pharisien qui, même pour dire qu'il y était, il n'a pas envie de dire. Il n'a pas dire qu'il y était lui-même. Il préfère son papa révéler ça à travers Pierre. Nous, peut-être, nous pouvons pousser nous par devant de nous dire qui nous était, envie de montrer qui nous était. Non, c'est ce qui peut faire ça, les pharisiens. Les bons dieux me causent l'eau, les papa me causent l'eau. Les servis l'apôtre Pierre et les dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tout ça là est tellement important, pharisiens. D'accord? Il dit mon fin vini, mon nourriture, ce qui plaît mon ventre, ce qui enlève la faim, c'est faire la volonté de mon papa. Et accomplir ce bonnes œuvres. Extraordinaire. Merci Seigneur. Et ce nouvel dans Luc, le chapitre 18. En parlant de faire la volonté de Dieu, chapitre 18, le verset 31. Est-ce qu'il se prit les douze auprès de lui? Luc, chapitre 18, verset 31. Jésus prit les douze auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Et qu'il dit à la fin, il dit ça clair là. Hein? Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Tout est accompli. Qui t'y veut accompli? Tout ce qui m'en a fait une dialogue. Bon, quand on est pharisien, nous entendons beaucoup de messages qui disent Jésus qui finit accompli à tout, nous capables de gagner tout à ce. Oui, ça oui. Nous besoin de connaître qui l'a accompli avant pour nous connaître, nous gagner tout. Oui, qui l'a accompli? Accompli à quoi? Qui l'a fini accompli exactement? Il finit accompli à tout ce que la loi et les prophètes finissent de dialoguer. Comment il peut être? Comment il peut fonctionner? Comment il peut. Né, comment il peut mourir, comment il peut ressusciter, il exactement. Et surtout, on tient compte d'une affaire. Vous connaissez, quand nous servons ça, tu as la même. Quand il dit à nous, tout est accompli, il y a un qui y compris là-dedans. Right? Tout est accompli, veut dire un travail qui finit d'être fait dans le temps que tu viens faire. Et c'est le mot, tu as la cause là. On fait lire dans le temps. Ou capable de dire, mon accomplir un travail que mon ligne n'a pas fait. Mon ligne, tu as fait ça dans un autre, tu me prends 10 sous pour faire ça. Mais là, il n'est pas trop bon. C'est ce que tu fais dire dans 3 ans. 3 ans, c'est 3 ans. Et nous, tout connaissons les chiffres 3 qui veut dire. Complet. Apparemment, la Trinité est complète, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
L'homme est complet quand il y a l'esprit, il y a l'âme et l'écho. Le tabernacle est en trois parties. Le chiffre 3. Avant qu'Jésus-Christ régnait, avant plus ou moins Pierre et Jésus-Christ, les coqs qui sont trois fois. Le chiffre 3. Mais il y a l'ingrédient Jésus-Christ totalement. C'est ça qu'il veut dire. Il y en a beaucoup d'exemples encore. Pour montrer aux frères et sœurs qui, dans les temps, est-ce qu'il nous dans les temps de Dieu ou bien nous dans nos propres les temps? Est-ce qu'il nous peut prendre nous? Alors qu'on sait que l'apôtre Paul dit racheter les temps. Racheter les temps ne veut, dire, veut pas dire simplement rattrape les temps perdus. Racheter les temps veut dire pas perdre les temps aussi. Ça aussi il veut dire. Et pas simplement mon bien faire l'air, mon film bien perdre les temps et je me rattrape les temps, c'est-à-dire. Avec mon Dieu, il ne faut pas aller comme ça. Il faut faire bien l'air et puis. Me rachète le temps, me rattrape le temps. Non, non, non. Mais vous n'avez pas perdu le temps. Quand on rachète le temps, il veut dire aussi pas perdu le temps. Nous faisons les choses dans le temps de Dieu. Et c'est une occasion nous capable de causer avec vous le temps de Dieu. Parce que vous avez compris dans la fin par ça qui. Ça me dit que je ne suis pas trop comprendre à l'époque de Jésus-Christ. Hein? À l'époque de Jésus-Christ. Même mort, mari, pas trop comprendre. On a envoyé une nouvelle de Jésus-Christ, ce frère malade, il est venu quand il est fini mort. Mais il prend trop beaucoup de temps sans Jésus-Christ avant de venir. Parfois, on a du monde mal compris, on dit qu'il prend beaucoup de temps. Mais pas question de prendre beaucoup de temps, ça veut bien être dans le temps de Dieu. Parfois, on a du monde pressé pour faire quelque chose. On a envie de faire quelque chose, vite. Et quand on vit faire quelque chose, vite. Parfois, on voit qu'il se rentre dans le temps de Dieu, ou bien plus vite qu'il bondit, une façon de parler. Donc, vous trouvez que quand on est avec au commencement, dans Genèse, on disait ça tout à l'heure là, que la postérité de la femme pour écraser la tête avec le serpent, on disait ça. Mais comme les bananes me passaient après qu'il n'arrive ça. Ça n'arrive tout de suite, ça n'arrive quelques semaines, ça n'arrive quelques mois. Beaucoup de temps. Le temps de Dieu, nous ne nous pas questionner le temps de Dieu parfois. Parce qu'en bon Dieu, il fait une question dans les temps, hein, où vous trouvez que tout marche bien. Mais c'est une question qui fait ou bien trop vite ou bien trop en retard, vous trouvez une âme en décalage. Comment est-ce que moi, un peuple qui est capable dans Israël, dans les pays promis, dans 11 jours, bon Dieu fait faire comme les bananes. Un grand détour, pas dans ce pays-là. Mais qui fait bon Dieu fait prendre sa quantité de temps-là. Il va être faire rentrer dans 11 jours même. Non, mais bon Dieu sur les temps. Bon Dieu sur les temps, frères et sœurs. Tout ce qui se fait les temps de Dieu. Et vous remarquez que quand quelque chose rentre dans les temps de Dieu, vous trouvez beaucoup de bénédictions et vous trouvez la joie. Tout. Remarque ça. Quand il se arrive dans le temps de Dieu, il y en a la joie qui accompagne ça. Parce que quand il est dans le temps de Dieu, il veut dire qu'il y en a sur la joie, sur l'onction, sur la puissance, sur l'autorité, sur le pouvoir, il y en a tout là-dedans. Quand on ne fait pas dans le temps de Dieu, l'onction l'accompagne. Précipitation, ça met tient l'onction de Dieu. C'est dans le temps de Dieu qu'il arrive. Tout qui sont, beaucoup qui sont arrivés, frères et sœurs, qui comme les bananes, les esprits sont venus. Comme les bananes. Et ça, pas seulement ça. Bon Dieu a accepté qu'ils esquissent Nélo la terre. Attendre 33 ans passés, là, il commence son ministère. Mais il va commencer son ministère un peu plus avant. Ou bien, bon Dieu, il va faire une façon. Quand il est capable, il va venir, il est déjà grand même, il fait son ministère, il va appeler y aller. Non, il fait lui naître la terre. À l'âge de 30 ans, il commence son ministère. Comment explique ça? Ça, c'est le temps de Dieu. Ça, c'est un autre message en lui-même qui nous capable de dire, nous capable de dire, cause de l'homme de foi. Ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Il va accomplir. Tout est accompli, c'est ce qui banane dialogue. En fait, quand il dit tout est accompli, c'est pas ce qui banane dialogue qui peut accomplir l'oli. C'est plutôt l'inaccompli ce qui banane dialogue. L'inaccompli ce qui banane dialogue. Différent là. Hein? C'est pas l'inamène sur la vie, moi bizarre comment j'ai envie d'amener, un coup, ouais, ça peut arriver sur la vie, non. L'infait, l'inaccorde, l'in avec ce qu'ils vont dire. Tout ce verset qu'ils m'ont dit tout à l'heure là, c'est ce qui t'accorde sur la vie avec ça. Il t'accorde sur la vie avec ça, et il y a dans les temps. Alors que c'est un petit peu un père du tout,
quand on prend les pères dans les étés depuis la montagne, ils connaissent pas pour moi comme ça, parce qu'ils connaissent d'après l'écriture qu'ils ont étudié, ils connaissent déjà, parce qu'ils aiment la parole, ils aiment la parole de Jésus-Christ, ils connaissent comment l'amour l'a poité, ils ne peuvent pas perdre, ils ne peuvent noyer, ils m'ont noyé, parce qu'ils m'ont noyé, moi, parce qu'ils connaissent comment ils m'ont. Peut-être si tu nous disais, ah, mais comment, pas moi, mon ministère n'est pas pour finir, c'est moi, mais moi, c'est la même. Non, non, mais tu n'es pas pour moi, parce que tu finis, connais qui, bon, quelle direction va mener toi. Que tu peux aller exactement, parce que. Tu finis fini, on n'est pas directive qui plan bon Dieu pour toi. Ça tout à l'heure, un petit peu de cause avec un petit peu de l'eau là. Moi, j'espère que je gagne le temps. Pourquoi je vais aller un peu vite pour la gloire du Seigneur. Quand, verset 32, il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on cassera sur lui. Après l'avoir battu de verse, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Tu veux faire ça, extraordinaire. Tu finis, tu ça. Mais ils ne comprirent rien à ces choses-là. Ça aussi, ils n'ont pas compris. C'était pour eux un langage caché. Ils cachaient ce langage-là. Des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Tu veux faire ça? Étant nous étudier ça, nous pour arriver à trouver qui les pétit exactement. Bon, tout est accompli depuis tout à l'heure. Tout est accompli. Jean 19, verset 30, tout est accompli. Dans ce mot grec, tout est accompli. Accompli, tu as la même chose, tu téléo. Mais tout est accompli veut dire en mot grec. Parce que c'est une culture, ce mot-là, hein, tout est accompli. Parce que je sais ça beaucoup dans mon terme, je sais ça dans d'autres langages. C'est tétélestai. Tétélestai. Qui veut dire que, je résume l'île, hein. Un travail ou bien une mission qui finit achevée. Quand un travailleur, son maître lui fait un travail, un serviteur, son maître lui fait un travail, quand le maître vient dire, tu finis de faire le travail, c'est sa terme même qui lui servit. Tetelestai. Qui veut dire, fini achevé. Tu veux dire aussi, la dette est payée, les finettes réglées, les finettes payées, les finettes acquittées. En anglais, c'est settle. Right? Dette fin payée. Ça, c'est dans le monde transaction. Quand on a un monde de transaction bancaire, etc., c'est ce terme-là qui doit te servir. Quand quelqu'un finit pour un loan ou bien il est endetté, il finit payer ce loan ou il finit payer ce dernier remboursement, il finit settle ce dernier remboursement. Tout finit propre maintenant, il n'est pas douane en rien de servir ce terme-là. Et puis, il veut dire aussi, quand il s'agit pour faire un choix, faire comment dire, bien faire un choix, bien choisir quelque chose, le meilleur choix, bien faire, c'est qu'il plie, sa final choice, comment nous dire, le choix final, un choix favorable, un choix acceptable, qui a été approuvé, de servir ce terme-là aussi. Il veut dire, nous finissons faire un choix qui est besoin, nous finissons sélectionner ce qui est besoin sélectionner, c'est, en fin de compte, si nous guettons bien, quand nous cause tout est accompli, veut dire j'ai achevé avec succès l'œuvre que j'étais venu accomplir. Nous ne pouvons pas terminer dans ce terme-là. Right? J'ai achevé avec succès l'œuvre que j'étais venu accomplir. D'accord? Bon. Nous finissons un peu tout à l'heure, pharisien, où Jésus-Christ existait depuis très longtemps. Qui veut dire que tout est accompli, plus ou moins, c'est ce qui finit accomplir, tout ce qui vient accomplir. L'inan l'est fait pour toute l'histoire du passé, du présent et du futur. Vous voyez, quand nous causons l'histoire, nous causons le passé, nous causons le présent, le futur. Tout qui se passe, le passé, le présent, le futur. Jésus-Christ, ce qu'il a accompli là, pour ce qu'il a fini d'accomplir plutôt, ça peut affecter positivement, ça a l'effet positif sur le passé, le présent et le futur. De quelle façon? Parce que le passé depuis la chute, la première chute qui m'a causé avec vous, Lucifer,
il y en a qui ceux qui finissent ébranlés. Ils se calment maintenant pour concouriser ça. Et nous tous connaissons qui, vers la fin des temps, qui Dieu pour capable exerce un jugement, le Lucifer qui appelle Satan le diable, pour faire ce qu'il vient faire avec lui d'après les Écritures. Ça aussi, les Écritures viennent dire qu'il peut faire avec Lucifer, qui se désaccorde. Tout est accompli à travers Jésus-Christ. Il y a l'effet, l'ossade qui me passait dans le passé. L'histoire du passé. Bonne conséquence, bonne moque. Ce qui finit arriver dans le temps passé. Tout cela peut être corrigé, pharisien. Tout cela peut être rectifié. Tout peut venir, comment dire, back to normal. As it was in the beginning. Tout retourne comme il était au commencement. Et puis, l'inan l'effet dans la vie que nous étions actuellement. Le passé, si nous causons le passé, nous causons le passé depuis hier. Ou bien une étant moi comme tu viens là. Ça s'appelle le passé, l'infini passé. Enfin, comment nous avons passé, il vient de passer. Mais pareil, quand c'est un produit dans le magasin, il dit qu'il finit une seconde. Il dit comme ça, il est passé. Le présent, c'est le présent. D'accord? Il y a l'impact sur le présent. Vous pouvez montrer comment est-ce que tu guéris Bandimoun. Vous pouvez montrer comment est-ce que tu délivres Bandimoun. Comment tu as l'effet positif dans la société. Et jusqu'à maintenant, tu t'es accompli ce qu'est-ce qu'il finit accomplir. Il fait l'effet de la vie Bandimoun. Et si vous êtes malade, ou dans une situation compliquée, difficile, si vous demandez un problème extrême, si vous pouvez souffrir, si vous dans la peine, sur lesquels il loue, si vous accablé, si vous triste, si vous pouvez vivre dans la peur, dans un soc, ou dans un mauvais souvenir, si la vie n'est pas une vie heureuse, si la vie est compliquée, si la vie est difficile, si vous avez un bien-aimé qui est malade, si vous avez quelqu'un qui dans la drogue, dans le mal, si vous avez un bien-aimé qui est quelque part tourmenté ou bien esclave, ou si vous-même vous tourmenté par le mal, ou si peut-être vous esclave de bonne vie et de bonne passion, ce que Jésus-Christ finit accomplir, il vous permet qu'il vous être restauré, il permet qu'il vous être délivré, il permet qu'il vous capable guéri, qu'il capable recevoir un miracle, qu'il capable vivre dans le présent avec Jésus-Christ, étant donné qu'il est à haute disposition, il est fait haut du bien, parce qu'il n'accomplit quelque chose, il n'accomplit le plan de Dieu, pour qu'il le plan de Dieu réalisé dans la vie. Il n'accomplit ce qui bon Dieu les fait dans la vie. Il fait ça pour vous, il donne sur la vie pour vous. Il compte en nous les premiers. Avant même qu'il n'existait, tu comptes en nous, Jésus-Christ. Et bien sûr, parce que Jésus-Christ fait n'accomplir. L'avenir, l'annonce brillant. Et moi, pour lire quelques versets avec vous concernant simplement l'avenir maintenant. L'avenir, ce qui est capable d'arriver. Nous verrons dans 1 Corinthiens, le chapitre 2. Le chapitre 2. Qu'est-ce qu'il dit à nous, pharisiens? Quand on a Jésus avec vous, quand on finit croire dans Jésus-Christ, qu'il finit accomplir tout ce qui est bon Dieu finit exiger. En fait, il vient accomplir ce qui bon Dieu exigeait. Et volontairement, hein? Pas fini bien forcé. Volontairement, il acceptait satisfaire les exigences de Dieu. Accomplir à la lettre ce qui bon Dieu attendait. Pour qui, nous maintenant, nous simplement croyons dans Jésus-Christ là. Nous croyons que Jésus-Christ finit accomplir. Ce qui nous peut-être nous devons accomplir, qui nous pas capable d'accomplir. Jésus-Christ finit accomplir libre nous. Afin que maintenant, nous capables de trouver la grâce de Dieu manifestée dans la vie. Afin que nous capables d'expérimenter ce pardon. N'a pas un péché qui bon Dieu pas capable de pardonner en Jésus-Christ. N'a pas une maladie que Jésus-Christ pas capable de guérir. N'a pas aucune circonstance que Jésus-Christ passera sans eux. Non, pharisiens. Dieu n'est pas meilleur pour la vie pour vous. Il suffit que vous croyez et vous acceptez.
Et qui dit à nous ici, pharisiens? Comme il est écrit, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, de sorte que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Sois arrivé content, Jésus, à cause de ce qu'il finit faire pour vous. Qu'est-ce qui est bon de finir préparer pour vous? Il y a même ceux qui lisiez jamais fin trouver, qui auraient jamais fin tendre, qui jamais fin monte dans le cœur de l'homme, jamais fin imaginer ou même penser. Mais qui ceux qui est bon de finir préparer pour nous. Et ça, pharisiens, qu'est-ce qui peut arriver ça? Ça aussi fini prophétiser. Dans Ésaïe 64, verset 3, Ésaïe 65, verset 17, fini dire ça, mais qui me peut dire où là? Pourtant, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 9, il dit ça. Mais fini dire dans l'Ancien Testament, quand c'est Christ pour accomplir ce qu'il veut accomplir, right? Et là, qui sont pour refléter l'avenir, pour impacter l'avenir. Qui veut dire, frère et sœur, comment nous dire, right? D'éternité en éternité, l'inène les fait. De siècle en siècle, l'inène les fait, pharisien. Elle peut monter au pharisien. Nous avons une raison d'être pour vivre dans la vie amère que nous avons actuellement là. Nous avons une raison pour vivre dans la vie mangose que nous pouvons vivre actuellement là. Nous avons une raison pour continuer à vivre dans la vie de ténèbres, remplie de malédictions, remplie de condamnations. Capable d'amener la vie meilleure avec Jésus-Christ. Parce que même l'avenir l'annonce un avenir béni en Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous causer avec vous, pharisiens, pour terminer. Nous terminons maintenant. Étant donné que Jésus-Christ, comme il finit dans Jean chapitre 19, verset 30, qu'il finit tout accompli. Veux dire, il dit mon nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'en envoie, qui m'en envoie moi, et accomplir ses œuvres. Qui nous peut faire, pharisiens? Nous qui désaccompagnons Jésus. Nous qui disons nous avons Jésus avec nous. Qui nous peut faire? Est-ce qu'il nous peut accomplir tout ce qui m'en est à nous faire? Si Dieu finit de nous prendre certaines directions, est-ce qu'il nous peut prendre cette direction-là? Est-ce qu'il nous l'assurons dans nos lesquels maintenant, là, qu'il nous peut être devant eux? Ou bien nous autres qui devant nous, est-ce qu'il nous donne l'assurance, qu'il nous donne le plan parfait de Dieu, qu'il nous peut accomplir parfaitement sa volonté? Est-ce qu'il nous peut obéir à la lettre, ce qui bon Dieu finit à nous faire? C'est à nous de décider, c'est à nous de penser le nous l'avenir, c'est à nous de penser le nous la vie. Est-ce qu'il nous, comment est-ce qu'il finit tout accompli? Est-ce qu'il nous peut tout accomplir? Est-ce qu'il y a la fin? À la fin de nous la vie, de la terre, nous ne pouvons pas dire comment l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 7. Il dit, 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, Paul dit avec Timothée, on est allé dans mon papier, mon prophète, il y allait. J'ai combattu le bon combat. Est-ce que nous ne pouvons pas dire ça, pharisiens, quand il arrive le moment pour nous quitter cette terre? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Est-ce que nous ne pouvons pas dire que mon récit accompli à sa course, mon récit asséveli, mon récit jusqu'au bout? Je ne pas finir arrêter en cours de route. Je ne pas finir faire la moitié de chemin. Mais mon final jusqu'au bout. Est-ce que je ne peux pas dire ça? J'ai gardé la foi. Est-ce que je ne peux pas dire que je garde la foi ou bien en cours de route, à un moment donné, je suis parti dans la foi? Mon fin désobéir, mon fin passe à côté, mon fin abandonné, ou bien mon peut continuer God la foi. Là, il dit verset 8. Désormais, puisque mon fin combat, le bon combat, puisque mon fin achève la course, puisque mon fin God la foi, il y a à Stella désormais, pour résultat, la couronne de justice m'est réservée. Il y a une couronne de justice qui m'ont défini réservée pour moi. Le Seigneur, le juste, juge. Me la donnera dans le jour qui pour de moi ça. Spécial pharisien. D'accord? Est-ce qu'il nous capable de s'apparer moi l'apôtre Paul? Est-ce qu'il nous si nous capable de prononcer la même parole? Est-ce qu'il nous si nous capable de dire la même chose? Que, ou bien en nous-mêmes nous conscients
qui nous va pas accomplir les choses comme un bon désir. Mais c'est bien qu'ils esquissent nous l'exemple, quand il y a tout est accompli, veut dire, il n'est pas raté. À cause même qui dans Philippiens, les nous, frères et sœurs, Jésus qui finit un nom qui là, tout nom qui existait. Il dit nous ça très clairement. Jésus qui finit le nom qui là, tout nom qui existait, qui fait? Parce que, tout simplement, il dit à nous ici. Verset 8, Philippiens chapitre 2, verset 8. Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Veut dire, quand il veut dire tout est accompli, c'est ça que Jésus peut dire. Mon fin obéir, mon accompli, comment bon Dieu finit de m'en faire, comment mon papa finit de m'en faire, mon fin obéir à la lettre, et lui dire, il finit obéissant jusqu'à la mort. Ça aime ça. Accomplir. Tout est accompli. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, parce qu'il finit obéir jusqu'à la croix. La mort de la croix. Dieu finit élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À propos, il y a une couronne de justice fin réservée pour moi qui fait, parce que je fin garde la foi, je fin achève la course, je fin combat les bons combats. Merci Seigneur. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, l'autorité, pouvoir, l'ingénieur, c'est ce qui fait, parce qu'il finit suivre à la lettre. Peine un petit bout de raté. Peine une seconde raté dans ce que Jésus-Christ fait. Il dit exactement comment son papa fin appelé pour faire. Et nous, si pareil, pharisiens, nous veiller que tous nos bonnes actions, tous nos pensées, tout ce qu'il nous fait, les 100% d'après directive qu'il m'a donné à nous faire. Parce que si nous passons un petit coup à côté, nous passons à côté de la plaque, veut dire nous passons à côté de la bénédiction, de la réussite. Mais si nous allons directement dans la volonté de Dieu, veut dire nous allons directement vers la réussite, directement vers le succès. Que le Seigneur les vous bénisse, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Laisse-nous rendre grâce à Dieu ensemble. Mon corps finit de comprendre le message de Dieu. Mon corps finit de comprendre la parole de Dieu. Que cette parole il fait sur l'effet dans le cœur. Que vous arrivez à réaliser. Ce qui nous capable d'attirer là-dedans, c'est les sons. Nous capable d'attirer, c'est nous aussi nous bien faire, moi j'esquisse. Et quand j'esquisse, pour une sieste, nous, plus ou moins, quand nous bien quitte cette terre, nous sommes capables de dire oui, nous accomplissons tout ce qui nous a accompli à la terre. Nous venons faire les choses que bon Dieu finit de nous faire. Nous finissons être agréables à Dieu. Nous finissons faire la volonté de Dieu. Nous ne finissons pas perdre le temps. Nous ne pas même bien racheter le temps. Parce qu'il ne pas bien rattraper le temps. Parce qu'il fait, parce qu'il nous donne le temps. Nous devons rester tout le temps dans le temps avec bon Dieu. Faire les choses dans le temps avec le Seigneur et vous trouverez réussi pour la gloire du Seigneur. Seigneur, me rends-toi grâce. Bon béni pour toi, pour cette parole, Seigneur notre Dieu. Tu fais une cause avec nous, tu fais enseigner nous, tu fais instruire nous. À l'exemple de Christ, qui définit tout accompli selon ta volonté, Seigneur. Comment la parole de Dieu finit de dire, comment les prophètes et la loi tu précisais, Seigneur. Tu fais tout à la lettre, en pratique, Seigneur, pour toute la gloire. C'est pour cela que nous aussi, Seigneur notre Dieu, nous les vivons comme Christ finit de vivre. Nous les obéir. Jusqu'à ce qu'il nous vienne quitter cette terre, notre Dieu. Papa Céleste, ta parole est la vérité. Ne les pas les passer à côté. Et nous prions toi pour n'importe qui s'en a qui peut prendre une décision pour toi. Nous prions toi, Seigneur, pour n'importe qui s'en a qui est malade, qui est dans une situation difficile et compliquée. Et nous prions toi maintenant même, Seigneur, que tu la grâce est multipliée dans toute la vie, que tu la parole lui fait sur les faits dans toute l'équerre, afin que tout ce qui s'est fini accompli à l'obéissance, qui finit amener et gagne un nom qu'il a au tout. Non qui existait, que tout ban nous bien fléchir, hein? Et tout ban la langue bien confesser que Jésus Christ lui-même le Seigneur, et qui à travers le nom de Jésus Christ, ça ban qui nous a délivré. Et tout ban la vie amère, et tout ban complication, Seigneur, et tout ban souffrance, et tout ban douleur, et toute maladie, et toute infirmité, Seigneur, et qu'ils ont avec toi en nouveauté de vie, pour la gloire de ton nom, et qu'ils ont apporté à toi, Papa Céleste, qui deviennent tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, vous connaissez cette parole, tu peux faire sur l'effet dans le cœur de chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Alors, Père de Dieu, le Seigneur bénisse. Pas oublier que demain soir, nous n'arrions prier ici à 7h30 dans l'église. Et en même temps, ceux qui ne peuvent pas déranger, nous pouvons aller au Zoom. Nous ne pouvons pas à la maison même. Nous rayons prier demain soir à 7h30.
Il a vaincu la mort.